Salut, c'est Romaric. Ou plutôt Kalimera. Je suis actuellement en Grèce, sur une colline, dont je connais pas le nom. Oui, tu peux deviner la... Non. Non, c'est à contre-jour. Cette immense ville d'Athènes. Apparemment un des berceaux de la démocratie, à ce qu'on m'a dit. Contrairement à l'entrée à l'Acropolis, qui elle n'est pas très démocratique, puisque ça coûte quand même 20 balles, hein. Ça se réfléchit quand même. Bref, sur cette colline, en plein soleil, je me souvenais d'une discussion que j'avais eue il y a très longtemps, puisque c'était hier soir, à propos du maître. Dans la plupart des traditions un peu spirituelles, il y a souvent la transmission d'un savoir d'un maître à un élève. Et je discutais avec quelqu'un, alors c'est marrant ces discussions, et je t'expliquerai pourquoi ce sont ces discussions le maître, selon moi. On se posait la question, est-ce que il faut avoir forcément un maître pour avancer sur la voie? Moi j'ai lu un peu tout et n'importe quoi à ce sujet. Pour certains, c'est indispensable, il y a quelque chose qui se transmet. Au niveau de l'âme, au niveau de je sais pas quoi, quelque chose d'étincelle qui ne peut être allumé que par quelqu'un d'autre qui a déjà l'étincelle. Mais du coup, d'où vient l'étincelle? Il y a bien quelqu'un qui l'a suscité de lui-même au départ. Et puis, il y a ceux qui disent que non, il n'y a pas besoin de maître, que tu es ton propre maître. Donc, les avis divergent. On n'arrivait pas à savoir si donc il y avait besoin d'un maître et si et s'il y avait besoin, comment le trouver. Une citation hindoue, plutôt axée yoga, dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Et face au constat selon lequel nous n'avions pas trouvé de maître, alors lui il le décrivait comme bon, déjà, c'est quelqu'un que tu reconnais tout de suite. C'est quelqu'un qui peut te nourrir spirituellement, qui a des réalisations que tu n'as pas faites, qui peut t'emmener au moins à son niveau, au mieux susciter chez toi l'envie d'aller encore plus loin. Donc, nous deux n'avions pas l'impression d'avoir trouvé des maîtres. Donc on essayait un peu de savoir comment le reconnaître, donc quelqu'un qui te parle, avec qui que tu comprends, quelqu'un avec qui c'est fluide, on va dire. Quelqu'un, enfin je veux dire, la rencontre est fluide. Savoir que c'est le maître, c'est fluide. Mais du coup, on n'avait pas trouvé cette personne. Alors, j'hypothétais à deux sujets. Est-ce que le maître, c'est pas les livres, c'est pas le savoir, quel qu'il soit, écrit, oral, hors des sens, comme la fameuse fleur du Bouddha, hein, petite anecdote, où Bouddha est assis en cercle avec certains de ses disciples, on va dire, les gens qui apprennent encore de lui, qui le considèrent comme leur maître parce qu'il a quelque chose à leur apprendre, il peut les tirer vers lui. Et la transmission, alors ils sont tous assis, il essaie de leur expliquer, et puis à un moment, il cueille une fleur et il la fait rouler dans ses doigts. Et là, il y a un de ses disciples qui sourit. Et Bouddha lui donne la fleur et lui dit, bah, de tous mes disciples, c'est le seul qui a compris la loi, l'enseignement, machin, tu vois. Bon. Il y a quelque chose qui est donc au-delà même des sens, et cette chose au-delà des sens, elle n'est pas facile à atteindre. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu as besoin d'un maître. On a besoin d'un maître. Mais donc, est-ce que si quelqu'un est capable de prendre les concepts qui ont posé les mots, au-delà de leurs limites sémantiques,
Est-ce que l'enseignement, s'il est suffisamment abstrait, n'est pas équivalent à un maître en lui-même? Est-ce que plus tu vas lire plein, plus tu vas avoir des palettes vastes, tu vas prendre des idées qui te plaisent, qui t'accrochent, et tu les transmets, tu les donnes, parce qu'elles t'ont plu. Et donc c'est en discutant, en transmettant, ces paroles que tu as intégrées, que tu as expérimentées aussi dans la vie. Que tu deviens un peu un maître. Tu vois, quand tu discutes avec quelqu'un qui lui donne une idée, bah, t'es son enseignant. Quand quelqu'un te donne une idée, c'est ton enseignant. Et du coup, le maître, c'est peut-être toutes les personnes avec qui tu peux parler. Et qui vont, pendant la discussion, t'apporter de nouveaux éléments de réflexion. Voilà. C'est donc ma théorie sur le maître. Je ne sais pas s'il y a besoin et je ne sais pas si on peut le remplacer du coup par des textes ou si on peut le remplacer par des personnes. L'ensemble de tes discussions. Sur ce, je te souhaite une belle réflexion. Une belle journée. Un beau soleil. Salut.